redescente 45. Alors là, j'ai fait beaucoup de plaisir. Demi-tonneau. Retournement. Alors, pendant les compétitions de routine, le pilote doit positionner sa figure à un endroit bien précis par rapport au jury, et sa note est jugée en fonction de la qualité d'exécution de la figure, mais aussi du positionnement de sa figure par rapport au juge. Alors c'est très compliqué puisque... Le chapitre derrière. Piquant aussi. Ah, donc le 141, le bleu extérieur, le riz de milieu. Et toutes les escadrilles qui venaient sur la porte commençaient par la lettre N. Voilà, le billboard avec les escadrilles américaines. Alors, à cette époque-là, les avions étaient équipés de moteurs portatifs. Alors, c'était des moteurs avec des cylindres en étoile. Mais c'était le vibre-requin qui était fixe, et c'était l'ensemble moteur qui tournait autour du vibre-requin. Alors je vous laisse imaginer la quantité mécanique que représentait ce genre de mécanique. Ce genre de moteur avait des effets de transformation. Ça a tourné pas vite. Ça a consommé énormément d'huile de ricin. Parce que c'était la seule ligne qu'on pouvait utiliser. Alors le pilote, quand il volait sur ce genre de machine, il volait ce qu'on appelle en torpedo, il avait juste un petit abri de la mire, un petit coup de vent. Il avait ses lunettes, et il avait une grande écharpe. Alors la grande écharpe, ça lui servait à décoller les lunettes, à décoller le visage de tout le monde de l'écharpe et de la terre, et pour protéger les brûlures. Alors ils avaient la peau du visage douce et souple du poulet pour ces portables. Alors les moteurs qui écoutaient le port qui est encore en ligne. Alors on vous en parlera aussi plus en détail. Quand les Américains sont arrivés en 1917 en France, ils sont arrivés, pardonnez-moi l'expression, il a fallu tout leur fournir, des avions, des véhicules, des mitrailleuses, des armements. Et on a tout prévu sur les flottes militaires, qui sont français ou anglais. Alors ce sont deux avions qui viennent de Luxembourg et ils sont construits tous les deux par un pilote constructeur qui s'appelle Thierry Luther. Ça va être pas vite à l'époque. La vitesse de vent maximum était 150 par 70 km/h. Dans le moteur, 170 km/h, quand le moteur était en porte.
Et le commissaire avait réussi à en tirer le maximum. Thank you.
Thank you.
marche arrière. Pour pouvoir participer au débarquement, parce qu'on ne voulait pas qu'il débarque parce qu'il était général. Et dans le film, le jour le plus long, je crois qu'il est. Le rôle est tenu par Peter Fonda. Oui, c'était Peter. Henry Fonda. Oui, Henry Fonda. Oui. 20 ans, traverser l'Atlantique et puis se planter là-bas. Juste derrière, là, dans le petit ballon. Voilà. Et c'est tous vos participants ici qui nous rendent un honneur extraordinaire en votre reconnaissance de compte. Merci. On applaudit Monsieur Roosevelt. Regardez comme il est beau, jeune encore. Hein?
Bravo. Merci, merci beaucoup. Surtout, monsieur Roosevelt, ne vieillissez pas. Ne vieillissez pas. Jamais, jamais. Interdit, vous avez raison. Voilà. Et voilà. On continue. Une fin, même ce conflit. Et bien, vous savez tous que le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Alors, la signature de cet armistice, c'est, si vous avez le temps, je vous conseille de lire un livre qui vous raconte comment l'armistice de 11 novembre 1918 a été signé. Ça a été c'est un véritable roman policier. Venir les plénipotentiaires par la route, et ils sont arrivés, on les a récupérés à La Capelle, là-haut dans le nord du département de l'Aisne. Et alors je vous laisse imaginer l'état des routes en novembre 1918, et il a fallu les amener jusqu'à Compiègne. Des tractations avec les Allemands, et personne ne voulait céder, mais l'Allemagne se rendait compte quand même que la partie était perdue. Il y a quelqu'un qui vient me voir. Avait été obligé de se rendre compte que la partie était perdue. Et quand l'Allemagne, les pays potentiels allemands sont arrivés dans le wagon de l'armistice à Rotonde, il a fallu négocier avec les commandants français, avec le général Foch, qui n'avait pas du tout envie de céder quoi que ce soit. Novembre 1918. Mais ce qui s'est passé bien juste avant n'a pas été à l'honneur de tout le monde, et plus précisément du général Pershing, parce que il faut le dire, le général Pershing n'avait pas du tout envie de cet armistice du 11 novembre 1918. Lui, il voulait continuer la guerre jusqu'au bout et aller battre les Allemands sur leur territoire. Et il s'est affronté avec le maréchal Foch jusqu'au bout pour que les Alliés continuent jusqu'en Allemagne. Et puis il y avait 1700 morts. Donc le général Pershing, comme je disais, pas du tout d'accord avec la signature de cet armistice, a même déclenché
fait des offensives. Une heure. Vous avez entendu? Une heure avant la mise en place définitive de l'armistice. Donc il a envoyé au combat, à la mort, des soldats qui savaient que une heure après, l'armistice était signé. Terrible. Terrible. Il y a eu des offensives comme ça qui ont été ridicules, qui ne servaient à rien. Mesdames et messieurs, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. C'est d'attendre avant de partir. Parce que, d'une part, vous allez voir passer tout à l'heure deux rafales. Je sais, il y a du vent, il ne fait pas très chaud. Je vois madame, elle est là, elle est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait, on reste, on s'en va. Restez parce que à 18h15, vous allez voir passer. De pilote, même si c'était pour le combat. Et alors il y a des gens qui ont eu l'idée de créer des cirques aériens, surtout aux États-Unis avec les Barnstormers, les briseurs de grange, et on a commencé à faire découvrir à tout le monde l'aéronautique, l'aviation. Et il y avait des gens qui avaient récupéré des avions et qui faisaient des baptêmes de l'air, comme ça, à l'arrache. Ils partaient avec leur avion et puis ils survolaient la campagne, ils voyaient une prairie près d'un village, ils se posaient et puis ils allaient proposer des baptêmes de l'air aux habitants du village. Ça se passait, souvent ça se passait bien, mais des fois ça se passait. Tant ça a été un fabuleux coup de fouet industriel et technique, puisque c'est là que sont créés, on en parlera plus en détail demain, des grandes firmes aéronautiques comme Morin Saulnier, Junker, du côté allemand. Curtis, du côté aéropostal, c'est une extraordinaire aventure. Grâce à un homme qui s'appelait Didier Dora. Bon, alors maintenant, je vais passer le micro à Bernard Liquière. Et Bernard Liquière, il a une fonction très importante au niveau de la Fédération Française d'Aéromodélistes, puisque c'est le responsable départemental de l'Aisne de tout ce qui concerne l'aéromodélisme dans ce joli donc. Nous avons une fédération nationale. On a 780 clubs à peu près. Et puis environ 25 000 modélistes en France. On est répartis donc en ligues. Les ligues, ça correspond aux régions. Donc nous, Picard. Ah, il y a eu un petit problème. Il s'est fait embarquer par le vent. Voilà ce que c'était le ciel de Picardie. Au-dessus de Coulonges-Coran, quand il y avait des combats aériens. Et re la Nieuport 28.
ce Nieuport 28 que vous venez de voir décoller, il est tout à fait particulier parce que c'était celui de Quentin Roosevelt. Alors pour les pilotes, c'est un grand moment là, parce que ils sont tous ensemble. Il faut surtout ne pas perdre son avion de l'œil, parce que je peux vous en parler en connaissance de cause, ça m'est arrivé de croire piloter mon avion alors que je pilotais l'avion du copain, mais c'est pas le but. Regardez ça, si c'est beau dans ce ciel, regardez ça, c'est magnifique. Et ces avions qui arrivent de la droite vers la gauche, un moins.
l'avion, tu restes là, stop, et tu le tournes, voilà. Les autres avions vont se poser les uns après les autres. Voilà, un SPAD à l'atterrissage. Le mécanicien court derrière pour récupérer l'avion. Pendant ça là, au-dessus passe un Fokker. Et un Nieuport 28 à l'atterrissage. Le Nieuport 28 de notre ami Doré. Une clope de Charlie-sur-Marne. Voilà, bien posé. Et l'autre, s'il vous plaît, vous rapprochez du milieu de la... piste là, près du taxiway, près du taxiway, voilà. Voilà, Maxime, t'organises le salut. Allez, tous les pilotes, vous mettez de front, s'il vous plaît, vous prenez la main. Vous mettez de front. Et pour remercier tout le monde pour Alors, on va mettre devant, rapprochez-vous, mesdames et messieurs, on va mettre devant le Nieuport 28 de Quentin Roosevelt. Le Nieuport 28 de Quentin Roosevelt est là. Et là. Et ben, messieurs les pilotes, vous prenez tous la main et on va faire la hola. Allez, prêt? Hola. Et pour remercier, encore une fois, hola. Voilà. Et encore une fois, hola. Et pour Quentin, pour tous les pilotes. Et puis aussi pour Hugues Chaudin qui a été à l'origine de tout ça. Eh bien, un grand merci les amis, un grand merci à vous mesdames et messieurs qui êtes venus jusque là, en espérant que ça vous a plu, ça vous a intéressé. On a fait le maximum pour que bien, vous passiez un beau et grand moment. Et ben, nous... on va terminer par une formule un peu lapidaire. On est très content et on est heureux de vous savoir content et heureux.
c'est pas un crawl pro les gars. Il n'a pas arrivé à atterrir l'autre. Ah, allez. Tu l'as recherché. Ça va aller vite. Pas déconner le belge. Touché, j'apprécie beaucoup l'effort qui a été fait par les gens d'ici pour marquer le centenaire de la mort de Quentin et par extension tous les autres gens de tous les pays qui sont engagés dans cette guerre abominable. Il va arriver. It's a great honor for Quentin Roosevelt and all the soldiers dead in this field. On ne verra plus pour se poser.